Alors. Je sais pas trop quoi faire, les gars. Attendez, je comprends pas du tout là. Ah oui, d'accord. Quel hôpital? The Oswald Asylum, Sears and Nurse, Brokenwood County. Je comprends pas ce que tu racontes, c'est étrange. Ken, est-ce que tu peux faire un hameçon pour moi? Si tu me donnes un coin, je te donnerai la moitié d'un. Et si tu m'en donnes deux, je te donnerai un. J'ai besoin de tout, pas de la moitié. Trois. Deal. Ah, you coin soon. It's only a half hook. Donc faut que je retourne jouer, je suppose, c'est ça? Aïe, égalité. Elle a gagné. Ah, le salopio. J'ai gagné. Ça m'en fait deux? Ça m'en fait que un. Je suis comment pour avoir les deux autres? Je comprends pas.
Si je perds un... une pièce. Parce que je suis pas sûr, j'ai perdu quand même. Ok. Là, j'ai gagné deux fois. Mais j'ai toujours qu'une seule pièce. Je peux rien y faire là du coup. Disco game. Bon les gars, je suis complètement perdu. Je comprends pas pourquoi est-ce que... Dans celui-là, on va mettre un 5. Où est-ce qu'il a trouvé ces deux autres pièces là? J'ai parlé à tout le monde. Ah, peut-être qu'il considère... il considère que... Ok. Ah, d'accord. Donc j'avais bien les trois pièces. Parfait. Ok. Ok, donc là maintenant, je combine. Quoi? Il me faut une corde. Mais non. Attends, quoi? D'où il a eu de la ficelle, lui. Bon, faut que je trouve de la ficelle. Je vois que là. Est-ce que je peux utiliser ça, par exemple? Il serait de... To bad price. Oh, elle me le donne comme ça. Oh, mais quelle gentillesse. Quelle gentillesse. Tout était sous mes yeux. La canne, le reste. Donc là, on peut combiner la canne avec ça. Et ça avec le fish. Et après, on peut utiliser ici. Comment ça? Bon, bah, il faut retourner là où il y avait le pêcheur alors. Pour avoir le poisson. Poisson, poisson, flo-flo. Mince, je fais des bêtises. Voilà, on récupère. Ensuite, on vient là. Et je suppose qu'on peut l'utiliser quelque part. Sérieusement? Je peux pas l'utiliser, les gars.
Y a rien pour cliquer? Ah si, là. Il n'y a pas de poisson. Faut que je trouve un endroit où il y a du poisson. Pourquoi l'écran est rétréci? Il se passe quoi si l'écran il devient tout noir? Je sais pas si vous avez remarqué, hein. Non, c'est juste une impression. Ah non, c'est pas qu'une impression. Tu peux aller là. Bon. Où est-ce que je peux trouver du poisson? Bon, ça commence à m'énerver là. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Poisson! Ok. C'était pas la mer, c'était pas le lac, c'était la rivière. J'ai un poisson. Maintenant, faut que je comprenne comment on fait pour avoir un citron, les gars. Tu veux pas la fleur, toi? Qu'est-ce qu'il veut bien vouloir? Il a déjà eu le citron. Comment il a fait pour avoir le citron? Ok, il y avait ça. Rien.
Je regarde juste comment il y a un mec qui l'a fait pour avoir le citron parce que j'ai tout essayé. Comment tu fais? Il a fait comme moi. Il a récupéré ses affaires, il a pas le citron. Ah, c'est tellement intelligent, les gars. Là alors. I'm going to do something. Voilà. Et comme ça, quand il revient ici. Ok, j'aurais jamais trouvé les gars. Hein. J'aurais vraiment jamais trouvé. Hein. Je suis pas autant un génie. Hein. Bon, normalement j'ai tout. Faut juste que je regarde qui est où. Donc le 3, c'est en bas. C'est le poisson. Et Shiny Ison, c'est le citron. Donc en bas le poisson et ici le citron. Ça sent la victoire, ça sent la délicieuse victoire, bravo. Merci monsieur, je suis prêt, on peut ramener les pierres. Oui, nous allons pouvoir commencer le feu. Très vivant en haut de la montagne, il t'attend. Ton chapeau? Oui, les pierres sont cachées. C'est pour ça que je pouvais rien me rappeler. Maintenant, je me rappelle. En haut de la montagne, trouve Cotrem et reviens quand tu auras le chapeau. Et tu auras sûrement d'autres choses. D'accord. Ah, qui m'a réveillé? Qui? Je m'appelle Fran. Fran? Je vois. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est juste mon nom. Oh, le mien est Cotrem. Qu'est-ce qu'il me vaut l'honneur? Bien sûr, dis-moi. Cotrem veut dire né en... Comment? Au paradis. Et je suis une star. Je suis né dans l'espace, c'est vraiment logique. J'avais jamais rencontré une étoile en personne, enfin une star. Ravi de vous rencontrer. Je suis ravi aussi, Fran. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est le magicien qui m'envoie pour récupérer le chapeau. Mais tu ne peux pas faire ça, je suis divorcé. Divorcé? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai juste besoin de chapeau, moi. Et je ne peux pas. Si je te donne le chapeau, je te donne... Land où il... les... D'accord. La... Comment? Comment est-ce que je peux traduire ça? La lande, c'est la zone, en fait. C'est le paysage, c'est les arbres, c'est tout. Et tout va souffrir. Tu dois trouver un autre moyen de rentrer chez toi. Mais le roi m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen. S'il vous plaît, aidez-moi. Je te l'avais dit, je ne peux pas.
Enfin, je te le dis, je ne peux pas. Ma femme m'a quitté et je me retrouve tout seul en haut. Si je retire mon chapeau, le magma va sortir et tuer tout le monde, y compris toi. Je vais la ramener. Et où est-ce qu'elle est, votre femme? Elle a décidé de créer sa propre land, son propre endroit. Donc elle m'a quitté. Il n'y a aucune chance. J'ai même pas eu la chance de lui demander pourquoi. Elle me manque énormément. Et maintenant, elle est où? Je pense qu'elle est dans l'eau. Normalement, autrement, j'aurais ressenti sa présence. Mais je ne sais pas. Mon amour, ma chère femme. Si je la retrouve, vous me donnerez le chapeau, hein. Seulement si elle revient. Autrement, rien ne se passera. Et je peux pas mettre autre chose sur ta tête? Comme une pierre ou quelque chose dans le genre? Non, c'est ce chapeau. Ok, je reviens. Alors, revoir le magicien pour lui dire la mauvaise nouvelle. D'accord, lui il s'en fout. Je peux pas redescendre là? Bah. Ah oui, c'est avec l'œil. Oula. Je sais que vous êtes tout seul. Laissez-moi être votre maman. Laissez-moi vous nourrir. Venez à mes côtés. Et vous allez avoir beaucoup d'amis pour jouer. Je ne te veux pas comme ma mère. Tu es effrayante. Mais à qui tu parles, Fran? Une femme qui se tenait là. Enfin, rien, Midnight. Oula. Elle est en train de perdre la tête. Attends, il n'y a plus rien. Donc, c'est dans l'eau. Il y a une fleur, la fleur elle va peut-être m'aider. Dans l'eau. Comment je fais? Ah bah elle est là. Évidemment. Hey, madame, réveillez-vous, j'ai un message pour vous. Oh, un message? Quelle bonne journée. Message d'amour. Amour? Mais tu n'es pas rose. Mais non, je suis vert et je suis marron et vert. Et le messager de l'amour a quelque chose à partager? Reviens à la maison. Ah non, je me sentais pas bien. Et personne n'a le droit de faire en sorte que je sois pas bien. Je comprends. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Il était trop chaud. Et ah, il était très chaud. Et j'aimais ça de lui. Mais plus tard, il est devenu froid et ennuyant. Je me suis senti seul. Et j'ai pleuré parfois. Il a utilisé pour agrandir une belle rouge, une fleur rouge juste pour moi. Ah, il a cueilli. To show his love for me, donc pour montrer son amour. Mais cette année, rien n'est venu. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis la protect. Hein? I'm the one protecting him. Parce qu'il n'y a que moi qui le protège. Et j'aurais voulu qu'il s'en rende compte, c'est tout. J'ai trouvé la fleur. Ah, si je trouve la fleur pour vous, est-ce que vous revenez? Je suppose, mais je n'ai aucun espoir. C'est pour ça que je suis allé sur ma propre île.
Ok, mais je l'ai déjà, donc je vais te la donner. Course, bring it to me and shall return to him. Allez, hop. J'ai trouvé, madame. Regardez, c'est la fleur rouge. Oh, merci beaucoup. Ça semble très beau. Tu es vraiment une bonne messagère de l'amour. Vrai, Cupidon. Merci, madame. Est-ce que vous voulez retourner auprès de votre mari, maintenant? Il vous a vraiment manqué? Je vous vois là-bas. Ok, on retourne. C'est quand même très perché, hein. C'est parti. Hey, il est bon de vous voir ensemble. Est-ce que tu veux bien me donner le chapeau maintenant? Merci beaucoup. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour nous. Viens, ma chérie, monte en haut. Et maintenant, le chapeau. Merci beaucoup. Ouah, merci, monsieur. Maintenant, je dois y aller et donner le chapeau au magicien. Exactement. Voilà votre chapeau, monsieur. Oh, mon chapeau. Je sens mes connaissances revenir en moi. Je me sens heureux. D'accord. Et quelle est la suite? Le fruit. Pour deuxième. La création des éléments aléatoires que nous pouvons manger, n'est-ce pas beau? C'est incroyable. Oui, le fruit parle pour maintenant. Il a dit le livre. Mon livre de connaissances est dans la librairie. Mais attention, le livre se cache. Donc tu dois faire preuve de patience et de courage. Ok, je vais à la librairie. Le password que vous avez besoin. Laissez-moi réfléchir. C'est à propos de comment apprendre. C'est... Ah, je me rappelle. Le password est... Votre sens basique est facilement manipulé. Éteignez-le avant d'apprendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que beaucoup de fois, tu laisses ta compréhension être manipulée. Tu dois utiliser ton sens commun. Personne ne doit savoir comment est-ce que tu réfléchis ou ce que tu crois. Sois vorace de connaissances et tu trouveras une évolution constante. Ça te rendra libre de chérir chaque seconde de ta vie. Ça a l'air amusant d'apprendre. Je suis curieuse d'en apprendre plus. Bon, je vais trouver votre livre. C'est parti. Poum tchak, poum poum tchak. Poum tchak, poum poum tchak. Oh là. Est-ce que tu te souviens, Fran? Tu es une meurtrière. Tu es une vilaine petite fille. Vilaine petite fille qui doit être punie. Ça, c'est les jumelles. Quoi? Oh. Comme je le dis, comme je le fais, Fran. Je saute. Mais je ne voulais pas les tuer. Elles ne m'ont pas laissé le choix. Oh, n'écoute pas ce démon. Tu es plus forte que ça. Laisse-le sortir de ta tête, ma chérie. Mais je suis fou, Midnight. Dis-moi. Non, tu ne l'es pas. Tu es beaucoup plus forte. Ne laisse pas jouer avec tes sentiments.
Je me sens complètement brisé de l'intérieur. Mon cœur me fait mal. Je suis là pour toi. Ne pleure pas. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. On doit continuer. Il faut aller à la librairie. C'est parti. Hey, il faut le password. Oui, je l'ai. Ah bon? Et c'est quoi? Laissez-moi me rappeler. Pas mal. Et pourquoi c'est ça? Even Darkness. Ok. Allez, laisse-moi rentrer. J'ai pas tout compris, mais laisse-moi rentrer. Oula. Salut, qu'est-ce que tu es en train de lire? Un livre avec plein de lettres. Quelque chose qui ressemble à des lettres, c'est vraiment effrayant. Chose d'autre? Tu devrais lire des choses avec des images, non? Oh, ça sera un autre jour. Ne t'en fais pas. D'accord, excuse-moi. C'est quoi ça? Ok, là j'ai compris direct, c'est bon. Je peux les retirer. Ok. Can you tell me the right condition for the lock? No, I can't. I learned that. Qu'est-ce que tu es en train de lire? C'est un livre spécial qui... Ok. C'est à propos de deux lapins qui mangent un jeu de... qui se font un dîner. Et trois de leurs amis qui sont partis. Qui sont arrivés. Il y a donc cinq lapins qui mangent au dîner. Ils mangent des carottes, vous voyez? Des lapins blancs. Ok. Un livre magnifique. Oui, tu devrais le lire. Bien sûr. Trop de livres. Salut, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de regarder pour avoir un livre spécial. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'étagère? C'est pour ça que les échelles ont été créées pour récupérer plus facilement les livres. Et si je l'utilise, eh ben, tu devras attendre ton tour. Et si c'est important, et tu aurais dû arriver plus tôt. Maintenant, laisse-moi regarder. Arriver plus tôt. Comment ça? Je peux pas. Could break my nap if I fall. Ah oui, d'accord. Pourquoi quand je... Je comprends pas. Elle veut pas monter à l'échelle? Pour quelle raison? Ah! 1. E, c'est 5. 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 9. 10,
Ne dis pas que c'est la musique de la dernière fois là. One and one, three. One and three, five. Un truc comme ça là. C'était où cette musique? Je me souviens plus c'est où cette musique. Ah, c'est au marché. C'est au marché, les gars. C'est pas lui. C'était lui. Alors. One and one, two. One and two, three. Donc. Attendez là. Un papier, un crayon. Vite, vite, vite. Hop. Il faut juste une feuille. Alors. 1 plus 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait 3. 2 et 3, ça fait 5. 3 plus 5, 8. Ok, j'ai compris le principe. Donc, on y retourne. Merci, tu m'as donné la solution. Heureusement que j'ai écouté cette musique plusieurs fois, du coup elle m'est restée dans la tête. Allez. Ah. Oui, j'ai bien compris, simulator. Voilà. Hop. Alors. Ok, un plus un, deux. Deux, c'est ça. Ensuite, trois, c'est ça. Ensuite, cinq, c'est eux. 8, donc 6, 7, 8, c'est E avec un T. 7, 8. Ensuite, 5 plus 8, ça fait 11. Donc 6, 7, 8. 11. Plus 11. Et là du coup c'est ça, ça, point, point. Ok, normalement j'ai le mot de passe les gars. Ça devrait le faire. Donc d'abord lui. Ensuite lui. Ensuite eux. Ensuite eux. Ça et évidemment je l'ai pas. C'est pas lui, c'est pas lui. Ah, mince, je me suis trompé sur le 10. 5 6 7 8 9 10. Ah oui, ça c'est pas 11. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est 20. Et ça, c'est combien? 3, 6, 9, 10. Donc c'est ça plus 1. Ça doit être ça, non?
Waouh, ce bleed, donc j'ai réussi, c'est bon. Vous avez vu le BG les gars, pour une fois j'ai bien géré là. Ok. Ah, il faut que je bouge ça. Et le fameux livre. Allez hop, ça c'est fait. En vrai les gars, j'ai galéré de ouf à cause de du citron et de la canne à pêche. Le reste là ça va. Pour l'instant en tout cas. C'est bon, j'ai votre livre qui était dans la boîte musicale. J'ai vu une poupée. Ouais, it warp, lock. Ça semble amusant. Merci pour le livre. Tu m'as encore fait rappeler plein de choses. Vraiment plein plein. Ah bon, et comme quoi? Il reste deux choses sur l'étoile. Oui. Le poisson dans l'eau. Les poissons sont libres. Retourne, petit poisson. Retourne chez toi. Oh, tu as ressuscité le poisson? Parce que je me suis rappelé comment le faire. N'est-ce pas beau? C'est magique. Comment est-ce que vous pouvez faire ce genre de choses? Est-ce que vous pouvez nous redonner forme humaine? Bien sûr. Si les circonstances sont possibles. Les circonstances ne sont souvent pas possibles. Je vois. On doit trouver la pierre perdue. N'est-ce pas? Le poisson m'a dit que mes chaussures étaient au pied d'un danseur magnifique. Et vous savez où est-ce qu'un danseur peut être? J'en ai aucune idée. Ah, je pense savoir. Je vais aller voir. Je pense savoir où c'est. Le problème, c'est que j'ai pas le ticket. Et je sais pas comment l'avoir le ticket. Là c'est problématique parce que je sais pas comment faire pour avoir le ticket. Ah oui, elle est pas du tout là. Il y a ce truc là qu'il faut que j'arrive à résoudre, mais je sais même pas ce que c'est. Je ne vois pas du tout. Aïe. Ah. Allez hop, rentre. J'ai besoin d'un ticket. Mais je ne veux pas voler. Oh, c'est juste pour rentrer, on le rendra plus tard, non? D'accord. Un piano magnifique. Pourquoi il a la bourse à la bouche là? J'en ai pas besoin.
Mais on peut pas avancer à droite. Comment je fais? Je passe là, là? Je passe pas. Je comprends pas là. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Ah, mais je suis pas au bon moment, c'est tout. Je suis au bon endroit, mais pas au bon moment. Je suis pas au bon moment. Donc là, c'est trop tard. Il faut que je me mette là. Allez, vas-y. Voilà. Le ticket, il est là. Est-ce que je peux lui remplacer? D'accord. Ben c'est à lui que je vais voler, non? Can I borrow a ticket, please? Because my ticket disappeared. Zing coaster. You have a table to put the class on. I don't like some of the same. Right. Pressure. Donc on a demandé gentiment si elle avait le, si elle voulait bien nous donner son ticket, mais. Ouais, le chat est trop gentil, hein. C'est le danseur, donc ça, c'est les chaussures qu'on doit récupérer. The fly. Walking. Ok, donc il est forcément là, mais c'est encore une fois. Ah bah voilà. C'est bon, j'ai récupéré. Fallait attendre qu'il soit bourré. J'ai le ticket. Bravo! Allez hop. Attends. Regardez, j'ai un ticket. Laisse-moi voir. Ça ne peut pas être juste. Ça ne peut pas être ça. Tu as un ticket de quelqu'un qui est déjà rentré, c'est bizarre. Comment ça, quelqu'un d'autre a mon ticket? Les symboles sont corrects. Mais c'est pas normal. Et il y a une chance que je rentre. Du coup, on pouvait pas le faire avant, maintenant. Il fallait attendre ce moment-là pour le faire. Ok. Et comme on a l'exemple de l'autre ticket, c'est bon. Oh. Je vois que tu as dessiné toi-même. Est-ce que je peux m'inviter moi-même? C'est intelligent. Bon, je suppose que je peux te laisser entrer. Allez, apprécie. Merci. Et il est pas imbécile, hein. Donc maintenant, faut que je trouve comment faire pour. Ah bah, déjà, on va aller lui rendre son ticket. Sorry, j'ai été obligé de le prendre, je vous le redonne. Oh, merci. Merci beaucoup.
J'ai besoin de tes chaussures. Tu veux bien me répondre, s'il te plaît? Il est concentré. Oula. Ah, faut peut-être que j'y aille quand il est pas encore sur scène. Monsieur danseur, j'ai vraiment besoin de tes chaussures. Mais pourquoi les chaussures? J'ai besoin de ces chaussures pour danser. Je suis danseur et j'en ai besoin pour danser avec le magicien. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai besoin de tes chaussures. Tu veux quoi? Une limonade? Tu sembles un peu tendu. Pas de la limonade. Tu devrais boire un peu de limonade, au moins un petit peu. Le grand magicien en a besoin. J'ai besoin de tes chaussures. Oh, mais ça c'est impossible. Je ne peux pas te donner mes chaussures. Le seul moyen d'avoir mes chaussures est de me les prendre, comme tu le vois. Et je me tiens dessus, c'est impossible. Si je te coupe les pieds, je pourrais les prendre. Tu ne peux pas. Only the very day when both my feet are up in the air. Then can my shoes be taken? Otherwise, I will stand forever. Donc il me dit que c'est pas le moment. I need you to choose. Ah, c'est peut-être ça. Ça. Ok. Et du coup là je fais ça et ça. Faut que je l'empêche de. Faut que je l'empêche de resetup. Là, il faut que je les concentre. Hello? Est-ce que tu veux un autographe? Qu'est-ce que le tournoi il est en train de faire? Fixing must be perfect so we can start the show. Ok, donc il vérifie les instruments avant. Alors là, je vois pas comment on fait, les gars.